Anger. Aujourd'hui, ça va être une belle journée. C'est le début d'une nouvelle aventure. Merci! Ça va être tout un trip. Une nouvelle aventure, c'est sûr. Ça va être le fun. Ça va être au secours! Aujourd'hui, c'est le chapitre 2 de nos aventures. En tout cas, le voyage commence. Ça va changer de pied. Ça va aller aussi lentement que ça allait avant. C'est ça? Oui. Ça changera pas tant que ça. Oui. Ça ira pas plus vite qu'avant. Ouais, on va voyager à la vitesse de la vie. On est sur le bord de la route, on a perdu la clutch, mais on a des gens qui sont arrêtés pour donner un coup de main à David pour avoir un téléphone. On va voir comment ça va finir, mais regardez qui t'est arrêté pour nous aider. Des gens qui ont un Westphalia. Tu vois, ça commence déjà bien, la communauté est super déjà. Ok, c'est parti, on a réussi à partir. On a réussi à le mettre en troisième, fait qu'en espérant qu'on est capable de faire une partie de voyage en troisième. L'embrayage, elle semble pas fonctionner, fait qu'on va voir. Ça va peut-être finir sur un towing. Ouais. Plus proche qu'on peut aller, mieux que ça va être. Merci à nos amis Westphalia qui sont arrêtés. Et la communauté de l'Ouest. Déjà l'aventure. Mais faites de même notre vie, nous autres. L'aventure nous suit. On a eu une coupe de pistes, de rides. Mais je vous dirais qu'à 65 sur l'autoroute, on a eu plus de klaxonnage, de monde qui sont pas contents. On est samedi, ils finissent leurs vacances à la construction, puis ils sont pas patients. On s'est rendu, pas de clutch. On a perdu l'embrayage, donc on n'a plus capable de shifter. Fait qu'une fois qu'on a réussi à embrayer, on l'a laissé en troisième tout le long pour se rendre, puis on a réussi à se rendre très dans la couche de la grand-mère. Et la soeur, on va vérifier ce qui se passe mécaniquement, mais je suis sûr que ça va bien aller. C'est toute une aventure. Ça, c'est notre nouveau projet. Eh oui, on est encore au Québec. On s'assied aujourd'hui, on va vous expliquer un peu notre plan futur. Peut-être pas tout le monde le courant, mais l'USCA est à vendre, mais n'est pas encore vendu. Fait que présentement, ce qu'on va faire, c'est une fois que notre préparation va être terminée, on va descendre à la Floride et on va pouvoir aller voir l'USCA pour être sûr que tout est bien correct. Fait que c'est ça le plan pour l'instant. Ça va être de finir de préparer notre Ouest, descendre vers la Floride, aller voir notre bateau et aussi aller chercher nos effets personnels. Parce que on est parti en avion, on avait un sac à dos de linge, fait qu'on n'a pas grand-chose. Ça fait commence à faire froid, puis là, ouais. Ben, on avait apporté plus de shorts que de longs. Fait que là, on commence à épuiser nos économies de linge chaud. Ça fait deux mois qu'on est ici. Ouais.
on a hâte d'aller à la chaleur. Mais là, ce qu'on attend, en fait, c'est on attend des papiers avant de pouvoir quitter le Canada pour aller aux États-Unis. Une fois qu'on va avoir ces papiers-là, ben, on va être prêt à partir pour se rendre, comme David expliquait tantôt, sur l'USCA. Notre projet, une fois aux États-Unis, eh bien, à part aller voir l'USCA, à part aller à Tampa chercher nos effets personnels chez nos amis Danny et Kim, on a l'intention de commencer probablement par la route 66, rester proche aux États-Unis. Tant que l'USCA n'est pas vendu, on ne veut pas partir avec des gros plans trop loin parce qu'il y a possibilité qu'on soit obligé d'aller faire une livraison ou un essai, pas routier, mais un sea trial, je ne sais pas c'est quoi le terme en français. Donc, c'est certain qu'on va commencer à visiter tranquillement. Il va y avoir la descente jusqu'en Floride qu'on va pouvoir en profiter pour aller visiter. Mais on ne veut pas aller trop loin tant et si longtemps que l'USCA n'est pas vendu parce qu'en fait, l'USCA, c'est notre retraite. Donc, on n'a pas le choix d'attendre qu'elle soit vendue avant de poursuivre. Puis, on va être proche aussi au moment de la vente. Pour l'instant, au Québec, bien, on en profite. On va vous montrer un petit tour de l'avant en extérieur. L'intérieur n'est pas tout à fait fini. On a commencé par faire la mécanique, qui est très important si on ne va pas tomber en panne. Donc, la mécanique est pratiquement toute revisée sur l'avant. Là, j'ai autre conseil rendu à l'intérieur. Oui, c'est son petit nanan, l'intérieur. On ne change pas, je vous rassure, là, je n'y fais pas changer toutes les armoires. On va la garder quand même vintage, on va garder ce qu'elle a déjà dedans, mais on va essayer de maximiser les espaces. Puis, tu sais, tu donnes un petit coup de jeune, là, style Pinterest un peu, là, avec l'aide de ma maman, puis tout ça. On a acheté une boîte à ski pour mettre beaucoup de Tupperware dedans. Si jamais. Ah, il veut que je mette des Tupperware dans le fond. Non, là, tout le monde est témoin, là. J'ai le droit de mettre mes Tupperware dans le Thule. Ben, il dit qu'il n'y a pas assez de place dans le bus, fait que j'ai dit, garde, ça va être parfait pour ça. Fait qu'on s'est acheté une belle boîte à ski dessus pour mettre des choses dedans. Nos effets personnels ne rentreront pas toutes. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on va pouvoir faire des comparatifs pour vous. Oui. On va pouvoir faire une vidéo ou même vous en parler de les différences. Il y en a beaucoup qui se posent la question entre van life puis boat life. C'est quoi la... T'sais, il y en a beaucoup qui passent de un à l'autre. Donc, ça va être intéressant de vivre les deux puis de pouvoir comparer les deux un petit peu pour vous, dans le fond. Si vous avez des questions puis tout ça, là, mes conseils un petit peu plus expérimentés, là, ça va nous faire plaisir de partager. Et pourquoi l'idée un peu d'une bus? C'est une 78, hein, on appelle, parce qu'on a tout le temps porté de personnes van, mais Volkswagen, nous autres, c'est une bus, c'est une Volkswagen bus, parce que les pneus sont comme, on est assis sur les pneus, pareil comme une bus, fait qu'eux autres, ils appellent ça une bus. Pourquoi cette année-là? Pourquoi cette grandeur-là? Pourquoi pas un Sprinter? Je pense, ben, que moi, mon idée, en tout cas, c'est que je voulais Volkswagen, j'ai été Volkswagen toute ma vie, j'ai travaillé pour Volkswagen, fait que pour moi, je voulais Volkswagen, Mairie, elle voulait de quoi de jaune? on voulait une van. C'est un challenge supplémentaire qu'on s'est donné, peut-être. Oui, parce que moi, là, j'avais aussi demandé que la seule chose que je voulais dans cette. C'était qu'elle soit jaune, oui, comme il l'a dit tantôt, mais je voulais une toilette. Oui. On n'est pas rendu à la toilette. On n'est pas rendu à la toilette. On est en train de planifier encore là, la situation de toilette. Ouais. Puis, j'ai bien hâte de voir comment tu vas m'organiser ça. Oui. Là, là aussi, là, on peut oublier notre copilote, Tig. On amène Tig avec nous. On a un problème litière aussi à régler. C'est ça. On l'habitue tranquillement, on l'amène de temps en temps. Le chat, il va s'habituer, il va s'adapter à partir de là. Ouais. Fait que c'est ça qui se passe pour nous. Là, vous êtes à jour, vous savez ce qui se passe. La vidéo est à jour, tout est à jour. Fait que on espère que vous allez continuer à nous suivre. Fait qu'on se voit la semaine prochaine. La première fois qu'on ouvrait, on fermait notre auvent. Pas pire.